Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. C'est Khadija Faraj et aujourd'hui, on va étudier un petit peu le potentiel d'action et le potentiel de repos. C'est un cours assez facile, très très facile à comprendre, mais il est difficile en termes de notions qui sont utilisées dans ce cours-là. Donc, je vais essayer un petit peu de simplifier les choses. Je ne vais pas se tarder sur les choses que vous connaissez tous. Donc, vous allez remarquer que je vais un petit peu vite, mais dans les choses que vous ne connaissez pas, je vais tarder sur ces notions-là. Et j'ai utilisé un polycope, c'est un polycope pas très long, il est constitué de 28 pages. Attendez, attendez, ne disais rien. 28 pages parce que il contient plusieurs schémas qui prennent de la place, sinon il contient le tout. Il est assez suffisant pour votre examen et sans trop tarder, c'est parti. Donc vous connaissez tous que la membrane plasmique est un système dynamique, bien sûr, elle est toujours en mouvement, elle est principalement constituée de bicouches lipidiques, bien sûr, et les protéines, c'est un modèle mosaïque et fluide de Singer et Nicholson, c'est-à-dire c'est un modèle, l'effet des constituants un petit peu différents, mosaïque. Et fluide, c'est-à-dire il est en mouvement. La mesure de potentiel d'action utilise une micropipette qui permet de ne pas mettre en contact direct les liquides intra et extracellulaires. C'est-à-dire que la micropipette, voilà, attendez, alors la micropipette, alors. Ah donc la micropipette est là, elle ne permet pas les contacts entre les liquides intra et extracellulaires, c'est-à-dire que Madirch top la membrane plasmique et donc les liquides intra et extracellulaires restent Kimara, d'accord? Lésion minime, c'est-à-dire Tetrol ou Madirch top la membrane plasmique, du coup les liquides intra et extracellulaires marachitraltol. Dans un premier temps où la micropipette perce la membrane, c'est-à-dire que la micropipette, elle est à l'intérieur de la membrane. Voilà, elle est à l'intérieur de la cellule. La différence de potentiel égale pas à zéro, bien sûr. La différence de potentiel est égale à un potentiel de repos, comme on a et la cellule musculaire, le potentiel de repos, c'est une cellule. Donc, la cellule musculaire, elle est égale à moins 90 millivolts. Et dans les neurones, il est égal à moins 70 millivolts. Ces deux chiffres sont à retenir. Donc, dans le premier temps, la micropipette extracellulaire ou intracellulaire, c'est-à-dire la micropipette, elle a calculé la différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. C'est ça. Par contre, dans un deuxième temps, si la micropipette sort de la membrane plasmique, par exemple, la cellule, et j'ai ma micropipette, j'enregistre un potentiel de repos qui est égal à moins 60, par exemple, chez les neurones. Si par exemple la micropipette tétrole et ressort de la matrice, et donc les deux extrémités taharahum à l'extérieur de la membrane, à l'extérieur de la cellule. Et donc marach tris la différence. Et donc j'obtiens bayanikunak à zéro. D'accord? J'enregistre absolument rien. Voilà. C'est ça les deux temps de l'expérience. Donc voilà, vous remarquez bien, si la micropipette à l'extérieur de la cellule est une partie à l'intérieur de la cellule, donc elle va nous capter un potentiel de repos. Si la micropipette, par contre, les deux extrémités taha à l'extérieur de la cellule, donc ma différence de potentiel, d'accord? Donc, une différence de potentiel, c'est deux parties, une l'autre, d'accord? Donc, elle va rien capter et donc comme si c'est 0 millivolts. Ok. Elle dit c'est clair. Alors
Alors, ionogramme normal, vous savez tous que le Na plus à l'extérieur de la cellule est supérieur à l'intérieur. Le potassium, par contre, il est à l'intérieur plus concentré que l'extérieur, bien sûr. Le chlore, il te bat le Na plus et donc il est concentré à l'extérieur que à l'intérieur. Le calcium qui met le Na+, il est concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et le magnésium, il te bat le potassium. Et donc, il est plus concentré à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur. Ça, c'est clair. Voilà, les concentrations sont en milliéquivalent par litre, comme si un rôle en millimole. Ça, ce sont des éléments élémentaires. Donc, on passe à la perméabilité de la membrane. Alors, il y a plusieurs types de forces. Quelles sont les forces de diffusion? Les forces de diffusion, t'as les chawaïd, ikounou, selon le gradient de concentration. C'est-à-dire un ion qui est concentré à l'extérieur de la cellule, par exemple, il entre facilement à l'intérieur de la cellule, selon ce gradient de concentration. Mais aktar tarkiz, aqal tarkiz. Ça, c'est clair. La force électrostatique, hadiya, donc ne chauffera, et la pompe ionique, bien sûr. C'est vraiment facile à comprendre. On commence avec les forces de diffusion. Le potassium, on sait tous qu'il est concentré à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est facile pour lui de passer de la matrice intracellulaire à la matrice extracellulaire. C'est clair. Le Na+, il est plus concentré à l'extérieur de la cellule. Et donc, il est facile pour lui de passer de la matrice extracellulaire à la matrice intracellulaire. C'est vraiment clair. Le chlore, comme le Na+, il passe facilement, sans dépense d'énergie, ni ATP, ni rien, de la matrice extracellulaire à la matrice intracellulaire. Mais il y a les forces électrostatiques. Pour le potassium, il est retenu à l'intérieur. Pourquoi il est retenu à l'intérieur? Donc, on sait tous que la membrane plasmique, alors voici la membrane plasmique, un chawarid, moujba sur la surface, et négative, derrière ça, c'est le potentiel de repos. D'accord? Ça, c'est le potentiel de repos. D'accord? Et donc, on a une concentration de K+ qui est supérieure en intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, je dessine une seule K+ là. Voilà, Adhuma Shawarid. Et donc, entre le K+ et les ions, les forces négatives qui sont en intérieur, donc bin, had, les forces négatives, ou bien le K plus qui est positif, donc il y aura tanafor. Et donc le K plus qui a tendance à être retenu à l'intérieur de la cellule. Voilà l'explication. Donc on a des forces négatives, on a des forces négatif, d'accord? Et le potassium, il est chargé positivement, donc il coule bien les deux, tanafor, kulwahedwineroh. Et donc le K+, il a tendance, selon les forces électriques, à être retenu à l'intérieur de la cellule. Il préfère d'être à l'intérieur de la cellule, d'accord? Le Na+, par contre, vous allez me dire pourquoi il n'est pas retenu à l'extérieur de la cellule. Comme pour le potassium, il est retenu à l'intérieur. Pourquoi le Na+, il est retenu, il n'est pas retenu à l'extérieur? C'est parce que les forces de diffusion sont supérieures aux forces électrostatiques pour le Na+. Et donc, la force de diffusion tirlab la force électrostatique. Et donc, le Na+, il va suivre la force de diffusion. Et alors, la matrice extracellulaire, la matrice intracellulaire normalement. Parce qu'il est concentré sur le milieu extracellulaire. Et donc, il rentre facilement. Bien sûr, sans avoir la permission des forces électrostatiques, si vous voulez. Le chlore, par contre, voilà, toujours notre schéma des charges positives, des charges négatives. Il y a le chlore qui est moins, il est plus concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur, d'accord? Et donc, entre le chlore qui est négatif et le plus qui est positif là, il y aura tanaforbinatum, et donc le chlore il est plus retenu à l'extérieur. Voilà. Alors, parlons un petit peu sur la pompe. La pompe, elle fait le chemin inverse. Donc, la pompe, c'est une protéine, d'accord? Toujours, on a le Na+ qui est plus concentré
à l'extérieur qu'à l'intérieur, on a le potassium qui est plus concentré à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, selon les gradients de concentration, le Ma+ a hétrolé, le K+ a hétrolé. Donc, pour que toutes les choses seront dans l'ordre, il y aura cette pompe qui va faire sortir le Na+ littéral et elle va faire rentrer le potassium, les kharaj. Bien sûr, elle consomme l'ATP. D'accord? Donc ça, ce sont des choses élémentaires, rien à comprendre. Alors la pompe, elle fait sortir 3 ions Na+ contre l'entrée de 2 K+. D'accord? Donc, 3 ions Na+ ou 2 K+. D'accord? Donc elle est dite non électrique, non électriquement neutre. C'est-à-dire le elle est électriquement neutre. Mais comme s'il y a une différence entre les ions les ou les ions les donc l'état contre 2, donc elle est non électriquement neutre, ce qui est à l'origine d'un excès de charge positive à l'extérieur, d'accord? Et les charges négatives sont à l'intérieur et donc une différence de potentiel. C'est pour cela qu'on dit c'est une pompe électrogène. Donc elle n'est pas neutre, elle est électrogène. Les mouvements actifs de K+ et de Na+ commandent les mouvements passifs du chlore. Bien sûr, cela veut dire que quand les ions, à l'aide de la pompe ionique, vont être activement passés à travers la membrane plasmique, d'accord, le K+ yitrol ou le Na+ yikhroj, et donc ça va aider le chlore à circuler librement à travers la membrane, passivement bien sûr. Donc le chlore il est plus concentré à l'extérieur, donc il va rentrer à l'intérieur de la cellule. Voilà. Modification expérimentale du potentiel membrane. Bien sûr le chlore comme il rentre à l'intérieur de la cellule et bien sûr il a du chlorure, d'accord, il a du chlorure pour toujours garder l'équilibre. Modification expérimentale du potentiel membranaire. Dans un premier temps, modification de la concentration des ions. L'objectif de c'est que on va modifier la concentration de certains ions, bien tarafé la membrane plasmique, et on va, dans un deuxième temps, voir les conséquences de ce changement sur le potentiel. D'accord? L'objectif, c'est que nous avons les ions qui sont responsables du potentiel de repos. D'accord? Vous savez tous, numéro 1, quand la concentration des ions à l'intérieur est égale à la concentration des ions à l'extérieur, le potentiel membranaire tend vers le zéro. Donc, il laisse une différence de la répartition des ions bien à la fin de la membrane pour que le potentiel de la membrane ne tend pas vers le zéro, pour que le potentiel de membrane est égal au potentiel de repos. Voilà, le potentiel de repos est dû essentiellement la répartition de chawarid, c'est-à-dire à l'extérieur de la cellule, à l'intérieur de la cellule. Donc, irtilef est égal au potentiel d'action. Il y a les concentrations les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur, le potentiel de membrane va tomber à zéro. Et le potentiel de membrane tombe à zéro seulement dans les cellules mortes. Retenez bien. Parce que toutes les cellules vivantes ont un potentiel de repos. Si on mesure un potentiel au niveau d'une membrane, tombe vers le zéro, c'est-à-dire que la cellule elle est morte. D'accord? Potentiel de repos ne caractérise que les cellules vivantes. 2. Modification de la concentration de K+ extracellulaire. Modification de la concentration de K+ intracellulaire, on remarque que le potentiel membranaire il change très faiblement. Pourquoi? Alors on refait notre même schéma. Le K+, il est plus concentré à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va dessiner une seule atome de K+ ici. Et donc l'expérience consiste dans un premier temps à rajouter des atomes de potassium à l'intérieur de la cellule. Donc, hanzid des atomes à l'intérieur de la cellule. Et donc, comme si ça va absolument rien changer. Donc, la concentration de potassium à l'intérieur de la cellule est déjà kbira. Et donc, il est intérieur. À l'intérieur de la cellule, ça va rien changer. Rien changé. Elle a bien un voilà.
induit un changement, voilà, concentration. Numéro 3, on remarque que le potentiel membranaire change très faiblement. On n'a rien changé. Zidna, à l'intérieur de la cellule, or qu'on sait qu'il est, le potentiel, il est concentré. Maqbel, à l'intérieur de la cellule, donc ça ne va rien changer. La même chose pour le numéro 4, modification de la concentration extracellulaire du Na+. Et donc le Na+, il est plus concentré à l'extérieur. Si je rajoute plus de Na+ à l'extérieur, ça va absolument rien changer. Donc induit un changement insignificatif, c'est-à-dire un changement, il est vraiment vraiment petit que je n'ai même pas dit le tafsir parce que il n'a rien d'importance. Par contre, si numéro 2, modification de la concentration de K+ extracellulaire, là, il y a un changement. Parce qu'on sait tous que la membrane plasmique, votre molécule de K+ est chargée positivement. Alors, à l'intérieur de la cellule, ou je suis à l'extérieur de la cellule. Donc, si je rajoute des molécules à l'extérieur de la cellule, là, la différence s'installe. D'accord? Là, je vais modifier mon potentiel de la membrane. Et si, par exemple, la même chose pour l'Na+. L'Na+, il est plus concentré à l'extérieur de la cellule, peu de Na+ à l'intérieur. Donc, si je rajoute des molécules de Na+ à l'intérieur de la cellule, là, la différence s'installe. D'accord? Là, la différence s'installe et le potentiel membranaire va changer. D'accord? Donc, si je modifie la concentration de potassium, le potentiel membranaire va changer selon l'équation de Nernst. Bien sûr, cette équation, elle est fausse. Vous allez comprendre après. D'accord? 58 log K plus extérieur sur le K plus intérieur. Modification de la concentration du chlore induit une modification transitoire, c'est-à-dire elle est limitée dans le temps parce que le chlore, toujours, il peut circuler librement à travers la membrane et donc tout revient dans l'ordre. Il laisse le chlore à l'intérieur de la cellule, il va sortir, il laisse le chlore à l'extérieur de la cellule, il va rentrer et donc ça va rien changer au niveau de la membrane. Modification d'autres ions comme le magnésium, le calcium. Cela montre qu'ils sont impliqués très faiblement dans le potentiel membranaire. Donc, si par exemple je change les concentrations des ions magnésium et calcium, ça va changer le potentiel membranaire de façon très très petite. Et donc, ils disent qu'ils ont une relation grande avec le potentiel de repos. Ils n'ont pas de rôle fa'al. D'accord? Mais il intervient indirectement à la fin de cours, on chauffe le calcium, le potentiel d'action. Pardon, désolé, pas dans le potentiel de repos, dans le potentiel d'action. Voilà. Donc, on va pas trop tarder sur les théories. Les théories, donc plusieurs théories ont été installées pour comprendre le potentiel de repos. Des théories. Bien sûr, la première théorie, c'est l'équation de Nernst, l'ifnahamqbel. Seul le potassium est diffusible. C'est-à-dire, Nernst, seulement le potassium il peut circuler librement à travers la membrane. Les autres ions, et c'est totalement faux. Alors, l'équation de Nernst, en théorie, les calculs selon cette méthode, ou d'accord? Or que Homa en pratique, qui casse vraiment en pratique, le cas où le bayan. Et donc l'équation de Nernst, vous racontez faux que l'équation Hadia rata. Parce que, une théorie, qu'elle est juste, laisse la pratique comme la théorie. D'accord? Une théorie, d'accord? Donc la théorie fut refusée, d'accord? Parce que les valeurs expérimentales et théoriques sont totalement différentes. Théorie 2 de Donnan, il dit que le potassium et le chlore sont diffusibles. Je ne parle pas de Na+, d'accord?
Oui, il dit que les concentrations de K+ extérieur fois le chlore extérieur est égale à la concentration de potassium intérieur fois le chlore extérieur. Oui, il dit. Voilà. Et la membrane terrée, il a un des 3 ions K+ à l'extérieur ou 5 chlore à l'extérieur. Un des 3 chlore à l'intérieur ou 5 K+ à l'extérieur. Bach qui dit 3 fois 5, il y a 15. Ou dit 3 fois 5, il y a 15. Hado, il tsawa. Hado, je m'en l'équation de Donald, c'est-à-dire la concentration de taxine binatome. Il a un des 3 K+ ou 5 chlore, un des 3 chlore ou 5 K+ à l'intérieur de la cellule. Il y a l'équation terre. Et donc, l'équation, elle est refusée, bien sûr, parce que Humakikasu, en expérimentation, les concentrations sont vraiment différentes. La concentration de chlore extérieur et intérieur, potassium extérieur et intérieur, d'accord. On sait que la membrane est perméable aux ions Na+. Donan, le potassium et le chlore seulement, or que le Na+ un d'autre, la perméabilité de la membrane, il est perméable à travers la membrane si vous voulez. La troisième théorie, c'est la plus juste, si vous voulez, c'est Hodgkin et Huxley. Il dit que les trois ions sont diffusibles. Bien sûr, c'est la relation la plus juste. Et voici la relation entre parenthèses, elle n'est pas à retenir, hein. Voilà. Mobilité ionique. Il y a une loi que vous devez connaître, bien sûr. Alors, plus un ion est petit, plus sa vitesse à travers la membrane sera petite, car c'est sous forme de solvaté que les ions se déplacent. Je mets un temps. Alors, je vais dessiner des ions. Alors, à travers la membrane. Voilà. J'ai un ion. L'ion Hada, Pachirohli, une extracellulaire en intracellulaire ou l'axe, l'azimil il sert fait des ions d'eau, H2O. Il sort des ions d'eau, pêche sera la mobilité à l'intérieur de la cellule. Et donc, plus l'ion Hada, mais les molécules d'eau, plus il circule facilement et rapidement à travers la membrane. Voilà le concept. Par contre, vous avez signé une molécule et il y a plusieurs molécules d'eau, l'atome, et donc la vitesse, il a carna, les deux, hadi ou hadi, hadi a une vitesse plus petite que hadi, les molécules d'eau. On prend par exemple l'exemple là-dedans. Alors, la taille de Na+ étant plus petite que celle de K+, il fixera alors plus de molécules de H2O. La taille de Na+ étant plus petite que celle du K+. Alors, on dessine. Ça, c'est la membrane plasmique. Ça, c'est le K+. Et ça, c'est le Na+. D'accord? Donc, la taille de Na+ est plus petite que celle de potassium. Voilà. Je vais redessiner, je connais l'espace. Et donc, ça, c'est la molécule de Na+. Et ça, c'est la molécule de K+. Il faut savoir une autre loi. Quand tu as l'atome kbira, quand tu fixes l'eau bzaf, l'atome srira, quand tu fixes l'eau bzaf. Donc, le Na+ va fixer plusieurs molécules de H2O comme si il était tranquillement. Et le K+, par contre, va fixer seulement, voilà, des ions de K+. Et donc, vous voyez que le Na+, il est vraiment chargé. Donc, il a la vitesse le passage de K+ et la vitesse de Na+. Je vous oublie la vitesse le Na+, le K+. C'est-à-dire, le K+, il est plus rapide que le Na+. Voilà. Quand tu as la molécule la vitesse vraiment petite à travers la membrane. C'est ça le concept.
Donc la taille de solvaté de Na+ sera supérieure à la taille de K+ solvaté. Solvaté matérialise fait les molécules d'eau. Et donc l'ion solvaté le plus rapide, c'est le potassium. Technique et méthode de mesure. La technique la plus utilisée mesure t'as le potentiel de repos, bien sûr. La technique la plus utilisée est celle de l'axon emplacé de colle, c'est-à-dire l'axon t'as le calamar parce qu'il est grand. Voilà, on utilise le calamar, l'axon taro, parce qu'il est grand, nous permet de faire n'importe l'expérience, les habits. En nous appliquant la méthode de courant imposée, techniquette il commun il mafrod. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le courant li hatayna fardna ala hadak l'axon. L'axon hada marahouch dakhl le jism le calamar où les différents courants sont ordonnés. Voilà, حنا نحينا هاد لاكسون حطيناه اون براتيك وانا نبوزيو عليه نفرضو عليه هاد لو كورون ونشوفو لي موديفيكاسيون تاع لو بوتونسييل مومبرانا كي غارد اون فالور سو ليمينار. علاش هنا رانا ندرسو في لو بوتونسييل دو روبو ماناش ندرسو في لو بوتونسييل داكسيون؟ على بيها لا فالور اللي لازم نحطوها لازم تكون تحت العتبة باش توجور تقعد لي هداك لو بوتونسييل دو روبو. مانيش حبيت تشكلي ان بوتونسييل داكسيون. Vous savez tous que le courant, il a l'intensité ou z-ataba, elle est supraliminaire, elle sera à l'origine de la génération d'un potentiel d'action. C'est un potentiel de repos. C'est pour ça qu'on va garder une valeur sous-liminaire. D'accord? Donc, l'expérience, toujours, on utilise des électrodes. Ça, c'est du blablabla. On utilise, c'est du blablabla. Et donc, on va l'éliminer. Toujours, on a des électrodes de stimulation ou des électrodes les modifications de la potentiel. Blablabla, les mettre sur les examens. D'accord? C'est une perte de temps. Alors, je vais vous dire si le courant est alternatif, sinusoïdal. Je mets alternative, c'est-à-dire le courant, ce sont des notions que vous devez connaître. Alternative, l'axe, c'est un courant continu. Un courant continu, c'est-à-dire un courant le courant mais alternative, c'est-à-dire le courant, il va automatiquement, c'est un courant qui va il va. Par contre, un courant qui est continu, un courant qui va voilà, qu'est-ce que ça veut dire alternative. La membrane plasmique au repos peut être considérée comme une pile, génératrice de courant dont le pôle négatif sera situé à l'intérieur de la cellule et le pôle positif à l'extérieur. C'est assez simple que ça. Voilà. Andy, la membrane. Andy, une pile. Vous avez tous une pile. Andy, le pôle positif et le pôle négatif. D'accord? Toujours, Andy, ma membrane. Andy, un pôle positif. Andy, un pôle négatif. Donc, comme si la pile taille, c'est la membrane. Voilà. Andy. Alors, là, il faut faire attention. Généralement, la partie, je suis à l'éclat, donc c'est une partie simple qu'on va décortiquer. Les protéines membranaires sont des molécules chargées. On sait tous que les protéines sont des molécules chargées, parce que l'ahmad l'aminia, selon le pH du milieu, ils vont accepter des charges, que ce soit positif, que ce soit négatif. Donc, la protéine, en général, c'est une protéine, c'est une molécule chargée. Du coup, elles peuvent conduire un courant électrique. Cool molécule chargée, et donc cette propriété peut être schématisée par une résistance. Comme si la membrane plasmique taille, qui est constituée de protéines et phospholipides, habite narajaha dara karabaïa. Et donc, dara karabaïa, les protéines, ils l'aboulient dans le mukawama. C'est assez simple que ça. Narasmo hnaya. Et donc, voilà, on dit la membrane taille, elle est constituée de phospholipides, comme les phospholipides taille, hay un peu grossement protéines, hay phospholipides wahed okhar, phospholipides ijou mtqablin, hay la protéine. La protéine, elle est chargée positivement et négativement, donc comme si dans le karabaïa, elle a joué le rôle de mقاومة, R.
Voilà. Cette propriété peut être schématisée par une résistance. Le chiffre est à retenir. Voilà. Désolée. À l'inverse, la picouche lipidique, on sait tous que les phospholipides ont une décharge, donc elles sont non conducteurs et donc elles ont une capacité. Et donc les protéines vont être remplacées sur le plan tadal-karabaïa par des muqawamat et les lipides sont des capacités. D'accord. Le chiffre est à retenir, 1 microfarad par centimètre cube. D'accord. Ils sont bien sûr placés en parallèle. Voilà, هاي المقاومة تاعي وهاي المكثفة. شوفوا qui sont placés en parallèle, à la tafarra. Ces deux milieux intra-extracellulaires ne sont pas des conducteurs parfaits. Ils présentent une résistance vis-à-vis au passage du courant électrique, qui peuvent être schématisées par des résistances longitudinales. C'est-à-dire, la membrane plasmique, c'est vrai qu'elle est. تنقول لك تاي الكهربائي ما تنقولهليش بصورة مثالية. Parce que فيها عوائق. فيها دي بروتيين اللي يلعبوا لي دور مقاومات شاك فوا يحب التيار الكهربائي يجوز في الممغان لازم يصدم في هاد العوائق هذه هي سو شيما غاسومبل ا سولي دان كابل كواكسيونيل ان كونديكتور كونسنتريك اكستيريور سي لا ماتريس اكسترا سيلولير لا ماتريس اكسترا سيلولير فيها شوارد دونك نقول لي التيار الكهربائي ماتريس سي سائل سائل كي سو تروف على الاكستيريور دو لا سيلول تنقول لي التيار بيان سور لو سيتوبلازم كي على الانتيريور دو لا سيلول ينقل لي تان Donc, c'est un conducteur. Ou binetum, un isolant, c'est la membrane plasmique. D'accord. C'est la membrane plasmique qui sert à isoler entre les deux milieux. Caractéristiques intensité-tension. Intensité, l'arbiya shidda, karabaïa. Tension, l'arbiya tawattol, karabaï. Je t'arrive à cette mustalahat. En courant continu, l'axe alternatif, la plupart des membranes plasmiques n'obéissent pas à la loi d'Ohm. Donc leurs résistances sont dites non ohmiques. La courbe de potentiel en fonction de l'intensité est coudée et ressemble à celle d'un diode. Alors, par exemple, si on imagine une dara karabaïa, cette dara karabaïa a une muqawama, muqawama hadi hadi R. D'accord. Qui narsam le bayan? Une dara dara karabaïa, manish fala mambran, dara karabaïa. Qui narsam le bayan? Ta توتر الكهربائي اللي هو U بدلالة شدة التيار اللي هي E يخرج لي بيان هكا فونكسيون لينير باسكو علاش العلاقة تاع اوم تقول U ايتيغال R E دونك اون ديدوي كو R ثابتة ما تبدلش اي سي لو كا تاع المقاومات اللي جايين ارتيفيسيال فوالا المقاومات ارتيفيسيال تاع الدارة الار هذا ما يتبدلش الا كان دو اوم قعد لي دو اوم D'accord? Avis. Voilà. Mais si par contre, on dit une membrane plasmique, la membrane plasmique a dit une protéine, la protéine, elle est chargée, donc tu peux le dawr muqawama. Il a un narsam le bayan, tu as tagayyurat tawattur bidalalat i shidat tayyar, on le voit haka. On le voit haka. Et donc on déduit que cette relation U est égale R phi I ne s'applique pas à la membrane plasmique. D'accord? Parce que la membrane plasmique elle est physiologique, elle n'est pas artificielle. Cette muqawama hadiya tbeddel toujours en fonction des conditions qui kaynin fi lwasat. D'accord? Donc la muqawama hadiya elle est non ohmique. Elle est non ohmique. Ma tkhdaach li qawanin Ohm. Voilà. Voilà, s'il y a un conducteur homogène, c'est-à-dire un naqil artificiel homogène, le muqawama tkoun haka, thabta. Bon, mais tu as peut-être tghayyir ma'a tghayyir le E ou le I, mais jina haka, khat. Muqawama thabta, bien sûr thabta, oui, thabta. Mais qui koun anna la membrane, rasmi ji haka. Parce que le muqawama rahi tbeddel en fonction physiologique. Voilà. Ma tkhdaach la loi d'Ohm. On va expliquer cette partie. La pente, c'est la résistance. Bien sûr, la pente, fil mounhana hadak ta'na, mu'amil tawjih.
C'est la même que la résistance parce que U est égal à RFI. Donc R, c'est la pente, c'est la résistance, d'accord? Et plus forte si c'est la note qui impose le courant est appliquée à la face extérieure de la membrane. Point. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la résistance? La résistance, c'est que la membrane plasmique toujours a un état de stabilité. Mais qui déroule un courant. Parce que là, la membrane plasmique, tu as toujours un potentiel de repos. Mais tu as le potentiel d'action. Tu as toujours la stabilité. Tu as toujours tous rentrer dans l'ordre, bien sûr. Et donc, elle va résister, qui déroule un courant, elle va résister à ce courant-là. Le possible de un potentiel d'action. Qui fait m'nehadi? Donc, la résistance est plus forte si la note impose le courant est appliquée à la face extérieure. Alors, je dois dessiner là. On sait tous que la membrane plasmique, donc, à la node ou le cathode. La node, c'est le côté le moujib. Le cathode, c'est le côté le. Donc, la node, c'est le côté le moujib. Je vais appliquer la node sur la surface extérieure. La node, c'est le côté le moujib. D'accord? Et donc, la membrane hadia, la possibilité de chercher un potentiel d'action, parce que si tu as un potentiel d'action, il a fait le potentiel d'action, c'est l'axe. Je suis net moujba à l'extérieur, je suis net selba, je suis net selba à l'extérieur, je suis net moujba à l'intérieur, le potentiel d'action. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là? Plus à l'extérieur, comme si on a dit là, wiqaya, sur le himaya, sur la résistance taha, zid, tout le monde a des forces kbar, ou le potentiel d'action, mais si tu as une intensité vraiment grande, mais si tu as un potentiel d'action. Voilà l'explication. J'espère que... Femme-toi. J'espère. Voilà. Je vais répéter. Voilà notre membrane. Des charges plus. À ça, des charges négatives. D'accord? Donc, si un je renforce les charges positives à l'extérieur, j'ai la note des charges positives, et tous les la membrane, baïd, bzef, باش يتشكلي ان بوتونسيال داكسيون باسكو لو بوتونسيال داكسيون سي العكس شحنة سالبة على السطح شحنة موجبة اي دونك باش الحالة هادي تتقلب لي وتولي لي هكا لا مومبران راهي بعيدة اي دونك لا مومبران تولي شغل الي اوغوز فوالا لا ريزيستونس تاعها راهي كبيرة راهي بعيدة على لو بوتونسيال داكسيون. نشرحو لا دوزيام بارتي. Tandis que qu'elle sera plus faible si le cathode, c'est-à-dire le courbe selb, qui impose le courant est appliqué à la face extérieure. Celle-ci rapportera des charges négatives, ce qui induit une dépolarisation. Alors, le même schéma. Voici notre membrane. Des charges positives, des charges négatives. Ou avec l'anode d'attaque, le cathode, le courbe selb. Il te blique des charges positives. Quelle charge positive ma charge négative, tu positive ma négative, tu négative, positive, tu. Et donc, vous remarquez que les charges positives à l'extérieur de la cellule, elles sont plus faibles. Donc, la résistance à la membrane est plus faible. Pourquoi? Parce que قريب يتشكل فيها بوتونسيال داكسيون الا كملت هكا هادي تروح يولي هنا نيجاتيف 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 والداخل يولي بوزيتيف دونك تولي بوتونسيال داكسيون داكور. Comme si la membrane n'est pas satisfaite de cette loi. D'accord? Donc, comme si la membrane a toujours le potentiel de repos. Il est encouragé. Pour le potentiel de repos, zid, la résistance a zid. Il a des charges négatives à l'intérieur, comme si elle a le potentiel d'action. Et donc, la résistance a de plus en plus tout les faible. Voilà. On passe à l'électrotonus physique rapidement. C'est vraiment facile à comprendre ça. Donc, Djibo. Un axon de calamar. L'axon de calamar fait des électrodes, fait l'anode ou fait le cathode, d'accord? Et on implique un courant. Ou un dernier, des si vous voulez, il y a des octaves de sigil. Ils sigilent là.
وهدوما اقطاب التنبيه. فوالا On fait notre stimulation et on remarque que non seulement il y a un courant électrique entre les deux, on assiste à un courant électrique qui est enregistré au niveau O, au niveau E, F, C et D. D'accord? Dans le cas d'un conducteur homogène, métal par exemple, il y a par exemple plast l'accent terna, le courant aurait été enregistré seulement dans l'espace interélectrode polarisé. C'est seulement un courant entre les deux hadoma. هنا نسجلو لو كورون هنا ما نسجلو والو ما نسجلو والو ما نسجلو والو ما نسجلو والو داكور مي طوندي كو ليكسبيريونس ديمونت ليكزيستونس دو كورون ان دور دو ليسباس داكور او نيفو سي دي او اف سولا اكسبليك لو فات كو لا ممبران ني با ان كوندكتور هوموجين c'est-à-dire le courant va chercher des particules conductrices pour passer donc il y a dans la hadida par exemple le courant يخير الطريق الاقصر Et donc, ma chaîne s'est un courant entre deux, ou le F ou C ou D. Par contre, il a donné un accent, donc la membrane. Le courant est seulement des particules, les sadoules et les chartaoues. Et donc, tout au long de la membrane, il y a un potentiel de repos, un courant, pardon, un courant au niveau E, F, C et D, et même entre les deux cathodes de stimulation. Cette diffusion de courant en dehors de l'espace anode cathode entre les deux est appelée électrotonus physique, simplement, tout simplement. Donc, nous toujours l'anode ou le cathode. On remarque que l'hyperpolarisation sous l'anode est plus importante que la dépolarisation sur le cathode. L'anode fait des charges positives. Et donc, il est à la surface, il va faire une hyperpolarisation forte l'estertable. D'accord? Comme si c'est un potentiel d'action exagéré. J'ai par exemple ma membrane plasmique. Alors, la membrane plasmique, il y a des plus et des moins. D'accord? La différence. Il a un anode, d'accord? Donc, il va apporter des charges positives. Et donc, comme si c'est un potentiel de repos, mais exagéré. Sur le bzef. Et donc, ça va provoquer une hyperpolarisation. Tandis que sous le cathode, j'ai des charges beaucoup plus. Des charges négatives. Des charges négatives. Voilà. Des charges négatives à l'extérieur et donc ça va provoquer une dépolarisation. Zawel istirtab, une dépolarisation parce que l'istirtab fi ta'rif هو لازم يكون عندي شحنات موجبه في السطح وشحنات سالبه في الداخل. Donc il indira na chouhnat salba al sath yulu yaklou li fi chouhnat al moujba et donc tsali une dépolarisation. Donc zawel istirtab. Donc il a qarna bin les deux effets. D'accord? Ça, c'est une hyperpolarisation et ça, c'est une dépolarisation. Donc, c'est une hyperpolarisation. Donc, on a mis le H. C'est une dépolarisation. Alors, il a parlé d'un effet le cathode ou le anode, ou je connais le film, c'est l'anode. Parce que l'hyperpolarisation sur l'anode est plus importante que la dépolarisation sur le cathode. Chauffe l'hyperpolarisation, chauffe la dépolarisation, et donc l'anode, le cathode. Parce que la cellule aime l'anode. Parce qu'il va renforcer les charges positives. Et donc la résistance est plus forte au niveau de l'anode. Et donc l'hyperpolarisation est plus forte au niveau de l'anode. Comme au cathode, la cellule n'aime pas le cathode. Et donc la résistance est faible au niveau du cathode. Et la dépolarisation est moins importante que l'hyperpolarisation. D'accord? L'explication, elle n'est pas à retenir. Elle n'est pas importante. Voilà.
Donc, on va attaquer la constante d'espace et la constante de temps, lambda et tau. Donc, la constante d'espace tau, d'accord, si j'applique, par exemple, j'ai ma membrane, j'applique en un point A un courant et j'enregistre en des points différents le courant que j'ai obtenu. Je remarque de plus en plus que j'éloigne de le point d'administration de mon courant, d'accord? Le courant va, la tension diminue. Il diminue. Et c'est tout à fait logique parce que réel le potentiel d'action qui est propagé. Les autres types de dépolarisation, à un certain moment, ils se propagent dans des petites distances, c'est inadmissible. Mais le potentiel d'action qui est propagé ou maintenant, d'accord? Donc, si on applique un courant très, on a le potentiel de repos, mais on a le potentiel d'action, d'accord? On observe que l'amplitude de tension maximum observée va diminuer de A à D, d'accord? Et toujours le phénomène de résistance, parce que quand il y a de plusieurs protéines, le courant, et donc l'amplitude va être diminuée. Voilà. Et la distance où voilà, la distance où la tension est égale 0,37, la tension initiale, voilà, maximale, la tension maximale arrive le point A, d'accord? Au fur et à mesure le point où la tension arrive, c'est pas ça, c'est la tension maximale initiale. نبدا نحسب لا ديستونس من لو بوان ا حتى لهذيك لا ديستونس داكوغ وين لقيت 0,37 او ماكسيمال داكوغ او ماكسيمال راهي جايه هنا في لو بوان ا هادي نسموها لامدا لا كونستانت تاع ليسباس فوالا سي اسي سامبل كو سا كونترامون ا لا كونستانت تو سي لو تون داكوغ pour que la tension au bord de la membrane atteigne 0,63, la tension maximale. D'accord? J'applique dans un point A. J'applique dans un point A une tension, la tension narahi maximale, et à fur et à mesure qu'elle se propage, elle va se diminuer. La tension où la tension est égale à 0,63, la tension maximale, n'est-ce pas le temps? Par exemple, A rahi 100%. B راهي 70% في C راهي 63% كي تلحق لي 63% هي راهي تتناقص من بعد تولي 50% 40% 0% كي تولي لي 63% نحسب لو طون بين لو طون دابليكاسيون اي لو طون وين وصلت لي 63 سي لا كونستانت دو طون سي اسي سامبل كو سا La remarque, la structure en câble coaxial entraîne le fait qu'une modification locale du potentiel, c'est-à-dire un courant, peut déceler, c'est-à-dire peut y'interpelle, mais à distance de point d'application, mais toujours une diminution de sa valeur, c'est-à-dire y'interpelle, mais toujours il y a une diminution de la valeur théorique parce que là, on recherche un potentiel d'action. Seul le potentiel d'action est propagé. Les autres dépolarisations sont propagées, mais à des courtes distances où, à un certain moment, il y a un admon. Voilà. On dit qu'il y a un décrément, je mettais un décrément, tanaqus fi shidda ta la valeur. Donc on arrive au potentiel d'action. Le potentiel d'action, bach ychekli, lazem li une stimulation. Wad la stimulation, le premier condition, première condition, lazem tkoun supraliminaire, fouq l'ataba. L'ataba fama fouq. Soit qu'on ait une stimulation électrique par le passage d'un courant à travers la membrane, seulement karaba bien sûr. Soit une stimulation chimique, c'est-à-dire une molécule chimique qui met l'acétylcholine dans les synapses, il va se fixer sur les récepteurs, il va induire l'ouverture des canaux Na+, et donc la génération d'un potentiel d'action. Soit la stimulation physique, de nature mécanique, qui met saute, la lumière, et donc c'est... Hnaya, c'est les organes de sens. Les organes de sens que vous allez étudier dans le troisième trimestre en module d'histo. Donc, c'est des stimulations physiques, d'accord? Donc, pour que, bien sûr, attendez, un potentiel d'action, que des charges négatives, la membrane plasmique, elle est chargée positivement et négativement à l'extérieur, un potentiel d'action,
lazim des charges négatives à l'extérieur et des charges positives à l'intérieur. Donc, je vais imposer un courant, bihayt, il va en place. القطب السالب اللي يدير لي حاجات سالبه على السطح والقطب الموجب ندخلوه باش يدير لي حاجات موجبه في الداخل شوارد موجبه في الداخل باش تتعكس لي الاستقطاب تاع لا ممبران وبالتالي تشكل لي ان بوتونسييل داكسيون سي هذا هو الكونسيبت تاع لا جينيراسيون دان بوتونسييل داكسيون دونك بين هاد لي تخوا ستيمولاسيون ستيمولوس الكتريك اي لو بلو يوتيليزي. Donc la description du potentiel d'action est basique, on va pas tarder sur ces choses banales là. Donc vous connaissez tous, le potentiel d'action est défini comme étant l'ensemble des modifications que subit le potentiel membranaire suite à un stimulus, il doit être bien sûr supraliminaire. Ça c'est le potentiel d'action. Le segment A et B, c'est la partie initiale de la variation de potentiel membranaire, d'accord? Donc هنايا راني ندير ان كورون لو كورون هذا راني نزيد بروبورسيونيلمون الشده تاعو داكور راني نزيد بشويه بشويه الشده تاعو كي يوصل لو بوين بي تكون الشده تاعو سوبراليمينير il va induire la génération de potentiel d'action c'est pour ça عندي هاد لو طون دو لاتونس ماشي ديريكتومون البيان جاني هكا شغل كاين ان طون شغل كاين ديزولي كاين هاد لو طون le temps li starqo باش يتشكل لي لو بوتونسييل داكسيون باسكو هاد لو طون تاع لو كورون يكون مع الاول انفراليمينير وما ديولي ليمينير وما ديولي سوبراليمينير دونك جينيراسيون دو بوتونسييل داكسيون فوالا اي دونك لو طون ا اي بي سي لو طون بري بوتونسييل سي لا بارتي انيسيال اي دونك سيتادير لا 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 فاريسيون دو بوتونسييل ممبرانير ايل سورفيان ا لا سويت دون ابليكاسيون دان ايشلون ريكتانغو l'air et on va tarder sur cette notion là on va pas tarder donc c'est une notion élémentaire c'est à dire que l'intensité est constante infraliminaire représente la réponse locale à la membrane à un stimulus dépolarisant c'est à dire entre le point A et B on est en train d'agrandir le courant l'intensité en zid ou fchid data tia hatetouli au point B supraliminaire elle est capable de générer un potentiel d'action le point B c'est la dépolarisation seuil d'accord. Donc, il correspond à l'intensité seuil dont la valeur dépend de la fonction de type. C'est-à-dire, si 4 millivolts, elle est capable de stimuler une cellule musculaire, 4 millivolts au niveau d'une cellule musculaire, elle n'est pas capable de stimuler et générer un potentiel d'action. Donc, le seuil diffère d'une cellule à l'autre, d'une fibre à l'autre, selon le diamètre de l'axon, selon plusieurs choses, la présence de la fibre de myéline, etc. Le segment BCD, c'est le potentiel d'action proprement dit, d'accord? Et donc, c'est une durée variable selon le type de fibre, selon sa constante, mais généralement, le potentiel de pointe, c'est généralement une très très peu de temps. C'est un laps de temps. On dit c'est un laps de temps, c'est-à-dire un temps très très court, au point où il peut atteindre 1 milliseconde seulement. Voilà. Sa partie ascendante est plus rapide que sa partie descendante. Vous voyez tous que la partie ascendante, elle est vraiment rapide. Je vous dis qu'elle est rapide. Et la partie descendante, elle est progressive. La partie ascendante, elle est rapide. Et la partie descendante, elle est progressive. Voilà. Son amplitude est d'emblée maximale environ 100 millivolts. Alors, je crois qu'on a 100 millivolts parce que le potentiel de repos, qu'un fait moins 70 millivolts, par exemple, on a la cellule nerveuse, il te l'a dit, c'était le 30 millivolts. 30 millivolts, c'est le potentiel d'action. Mais il te l'a dit, il faut que 30 millivolts. 30 millivolts. Et donc, il est dans la différence entre 30, 0, 30, je vaux 30, moins 70. Ça va nous donner 30 plus 70, ça va nous donner 100. C'est bien le farq bin potentiel de repos ou le qima l'aqsa ta le potentiel d'action. Donc il y a 100 millivolts, d'accord? C'est l'amplitude maximale. Ne dépend donc en rien de la grandeur du stimulus. Lorsqu'il est d'intensité supérieure au seuil, c'est-à-dire même zido, on a 4 millivolts, on a un potentiel d'action, le haq 30 millivolts. Il est donné 5 millivolts, l'intensité de courant, le potentiel d'action toujours il حقلي 30 millivolts هذه هي القيمه الاقصى تاعو ميم الى زدنا في شده التنبيه le potentiel d'action هذا واش يقدر يلحق
D'accord. وهذا هو قانون توت او ريان. يا اما ما يتشكلش كامل يا اما يتشكل كامل. توت او ريان. فوالا. C'est-à-dire, même si vous fichez des systèmes B, le potentiel d'action toujours il y aura un l'équivalent à 30 millivolts. Mais même quand vous fichez des systèmes B, l'aham hajat koun fouk l'ataba, supraliminaire. Le segment DEF, voilà, segment DEF, nous allons le classer en deux parties. Le segment DE wahdo ou le segment EF wahdo. En tout cas, le segment DE, vous regardez bien qu'il est fouk l'munhana, là, fouk l'munhana. C'est un poste potentiel positif. C'est un poste potentiel positif. De même pour l'arité que le potentiel d'action, bien sûr. Je vois le potentiel d'action la refouk al-munhana ou le segment DE la refouk al-munhana. Et donc, il est de même pour l'arité que le potentiel d'action. Le mode d'état est très élevé, mais c'est l'amplitude peut être très très élevée, d'accord? Ou chez les cellules myocardiques, il peut durer 300 millisecondes. D'accord? Le segment EF, et donc c'est le poste potentiel, désolé. Et donc c'est le poste potentiel négatif. D'accord? Ou le poste potentiel négatif, c'est le fort de l'estertable. Toujours le mot fort de l'estertable, c'est-à-dire hyperpolarisation. Toujours le potentiel d'action c'est fort estertable, c'est l'hyperpolarisation. Donc il correspond à une hyperpolarisation membranaire ou l'hyperpolarisation toujours le potentiel de repos, voilà, ça c'est une hyperpolarisation ou le potentiel de repos les nerfs chez les cellules musculaires et nerfs chez les cellules nerveuses, voilà. Ou le retour au potentiel d'action se fait par la pompe. La pompe, il y a les trajets les ions, le plaisir, d'accord. Voilà, en utilisant l'ATP, et donc tout rentre dans l'ordre. On commence à décortiquer un petit peu le cours. La notion la plus importante dans le cours, c'est la notion de rhéobase. Qu'est-ce que c'est que la rhéobase? C'est tout simplement, désolé, c'est l'intensité seuil minimale. C'est-à-dire, je stimule ma cellule à 4 millivolts, mais d'être un potentiel d'action. 4,5, mais d'être un potentiel d'action. 4,5, mais d'être un potentiel d'action. 5 millivolts, d'être un potentiel d'action. 5 millivolts, c'est la rhéobase. Tout simplement, j'ai reçu des questions, même sur le groupe, j'ai vu assez de questions sur rhéobase. Et c'est vraiment simple, c'est une intensité. Si Shida, Dunia, Bechichkeli, un potentiel d'action. Voilà. Voilà. Pour une préparation donnée, où le stimulus est un échelon rectangulaire. Je vais tarder sur cette notion-là, échelon rectangulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la notion d'échelon rectangulaire, elle est assez facile. J'ai mon graphe qui représente l'intensité shidda, l'ampère, en fonction de temps. D'accord? J'ai ma fibre. Je vais stimuler ma fibre avec une intensité qui est égale 3 volts. D'accord? Je vais la stimuler pendant, par exemple, 5 minutes. Et hop, dans un laps de temps, je vais augmenter la stimulation. Je vais stimuler ma fibre à 4 volts dans un laps de temps. Je vais stimuler à 4 volts. Et dans un laps de temps, même pas une seconde, je vais augmenter la stimulation à 5 millivolts. D'accord? À 5 volts. D'accord? Et donc, comme si des escaliers, c'est un échelon rectangulaire. Je mettais des échelons. Je mettais des rajets. Darja. D'accord? Donc, un courant qui est sous forme d'échelon rectangulaire. C'est-à-dire, c'est vrai, on a zido fchidet le tayar, mais pas de façon progressive. Dans un laps de temps, zido fchidet tayar. Dans un laps de temps, zido fchidet tayar. Et ainsi de suite, ça va former des escaliers. Et les escaliers, c'est mon homme, un échelon rectangulaire. Voilà la différence. C'est un courant, les zido fchidet tayar, mais de façon bref. Mais aussi de façon progressive.
Donc voilà toujours mon échelon rectangulaire. كيشغل هنا 4 هنا 5 وهنا 6 الى هنايا ما تشكليش ان بوتونسييل داكسيون وهنا ما تشكليش ان بوتونسييل داكسيون و 6 فولت تشكلي ان بوتونسييل داكسيون دونك لا ريو باز ايت ايغال 6 فولت داكور سي لا ريو باز سي اون فالور بازيكمون سي اون فالور à partir duquel le potentiel d'action va s'installer. La loi de tout ou rien, on va la skipper parce que dans l'aléa, tout ou rien, coule ou lâcher, c'est-à-dire le potentiel d'action qui est clé, c'est bon, il a une valeur maximale, mais il y a l'aléa, ou il a mais il y a donc il y a tout ou rien. Cette loi ne s'applique pas, attention, au nerf entier. Parce que le nerf, on sait que l'asab wahed fait plusieurs fibres musculaires. D'accord? Où chaque fibre musculaire a le seuil taha. C'est-à-dire, par exemple, il a une intensité de 6 millivolts, 6 volts. Elle va stimuler qu'une partie, par exemple, du nerf. Voilà. Il a l'intensité, elle va stimuler d'autres groupes. D'accord? Donc, la loi de tout ou rien n'est pas applicable au nerf entier. Elle est seulement applicable aux fibres. D'accord? Parce que le nerf entier, l'asab, fait plusieurs osbounet, les interrobines. Nerf ou fibres. D'accord? Fait plusieurs LIF, des fibres. Et donc, plus zido l'intensité, plus le nombre de fibres sollicitées est grand. On passe au grand problème de ce cours qui est la vitesse d'installation du courant. Alors, la vitesse d'installation du courant, une fois fait un tour, qu'est-ce que c'est qu'un échelon rectangulaire? Vous allez tout simplement comprendre qu'est-ce que c'est que la vitesse d'installation du courant. L'échelon rectangulaire fait amener le courant dans un laps de temps isid mchidata. D'accord? La vitesse d'installation du courant, non. D'accord? Si, au lieu d'utiliser une stimulation rectangulaire, on va augmenter progressivement le courant, d'accord? Donc, au lieu qu'on ait un échelon rectangulaire, là, mais chez dans un laps de temps, le courant c'est donc chouïa, c'est un courant qui augmente de valeur progressivement, d'accord? Donc, il augmente progressivement. Soit il augmente progressivement de façon rapide, soit il augmente progressivement de façon lente. Et c'est ça le concept de vitesse d'installation du courant. Il y a le courant, voilà, je vais te faire bien. Il y a le courant. راهو يزيد مي دو فاسون تري 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 لونت 4 ساعه باش يولي يلحق 6 4 ساعه واحده اخرى باش يلحق 7 ميلي فولت 4 ساعه واحده اخرى باش يلحق 8 4 ساعه واحده اخرى مي كاين دي كورون وين نو كاين دي كورون وين فوالا كاين دي كورون وين 5 دقائق راهو يلحق 6 5 دقائق راهو يلحق 7 5 دقائق واحده اخرى راهو يلحق 8 5 دقائق واحده اخرى راهو يلحق 9 دونك جيسبر فهمتوني دونك لو C'est vrai, on est en train d'augmenter progressivement la vitesse d'installation. On est en train d'augmenter progressivement notre intensité. Mais à savoir, la vitesse de l'installation, est-ce que le courant HEDA, il augmente, c'est vrai, progressivement. Mais est-ce que de façon rapide ou de façon lente ou de façon moyenne de vitesse? D'accord? Donc c'est ça la vitesse d'installation. La rapidité, l'alternance entre les différentes valeurs de le courant. D'accord? C'est ça la vitesse d'installation. Voir les différentes courbes de vitesse d'installation. Qu'est-ce une vitesse très très grande, qu'est-ce une vitesse moyenne, qu'est-ce une vitesse lente, qu'est-ce une vitesse très très lente. Donc on a les vitesses d'installation telles le courant. D'accord? Et donc, voilà. شو يقول لك هنايا قال لك plus la vitesse d'installation de courant est lente plus l'intensité requise est grande qu'est-ce que ça veut dire كل ما تكون la vitesse d'installation du courant elle est lente بطيئة كل ما on a besoin d'intensité plus
de courant, باش نلحقوا de la génération d'un potentiel d'action, باش نلحقوا le seuil. علاش؟ باسكو كي تكون la vitesse d'installation ثقيله بزاف ما يجيو يتغلقوا لي ما يجيو يفتحوا لي دي كانو، راني نفتح دي كانو او ميم طون هذوك لي كانو اللي فتحتهم يعاودوا يتغلقوا لي، دونك لازم لهم شده واحده اخرى تاع التيار. اي دونك ما راهيش دو فاصون فيت، il faut faire vite. Par contre, il a quand la vitesse d'installation elle est grande, d'accord? Donc même par exemple le courant il حق لي les valeurs maximales تاعو, d'accord? Donc il coule les 1 millivolt, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hadi la vitesse d'installation courte. Une vitesse d'installation lente تكون 1 2 3 4. J'espère que tu as compris. Quand la vitesse d'installation de courant elle est grande, elle est rapide, et donc, quand ils vont ouvrir des canaux, ils vont ouvrir, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Et donc, le seuil est haut. Et donc, le seuil, je n'ai pas besoin d'un grand effort pour générer un potentiel d'action au niveau des fibres. Et donc, le seuil, avec la vitesse d'installation de courant, c'est le même. Quand la vitesse d'installation est grande, le seuil est haut. Et quand la vitesse d'installation est là, donc elle est lente, coulement, il y a le seuil. D'accord? Donc, on a les différentes vitesses d'installation du courant. Elle est rapide, elle est moyenne, elle est lente, elle est limitante. Alors, nous avons une autre vitesse d'installation, qui est un potentiel d'action, mais le courant. كي تكون لا فيتيس دانسالاسيون قل من هاد ال... الوغ نعاود لكم بوغ كان سوا كلير. هادي سي اون فيتيس دانسالاسيون الوغ جو في يوتيليزي اون اوتر كولور. هادي سي لا فيتيس دانسالاسيون رابيد موين لونت اي ليميتانت. هادي سي لا ليميتانت. علاش؟ لو كان نزيد نخفف السرعه تاع لا فيتيس دانسالاسيون دو كورون طيح لي هنا وهنا، مهما نزيد مهما ندير 100 ميلي فولت مي اسيت فيتيس دانسالاسيون ما يتشكليش ان بوتونسييل داكسيون. بهاد لا فيتيس نلحق ميم 100 فولت 200 كيما حبيت ا لانفيني ما يتشكليش ان بوتونسييل داكسيون، باسكو لا فيتيس الي فريمون فريمون قليله ما تكفيش باش تشكلي ان بوتونسييل داكسيون. داكور؟ دونك هاديا هاد لا بونت هي اللي تحدد لي تقسم لي بين لي فيتيس اللي تحتها ما يشكليش بوتونسيال داكسيون مهما زادت الشده. داكور؟ دونك سا سي اون بونت ليميتانت نعيطو لها بونت ليميتانت. كاتبين لكم بالخضر دغوا دو بونت ليميت صادير لا فيتيس ما تقدرش تزيد تهبط على هكا سينو ما يتشكلش بوتونسيال داكسيون مهما زادت شده التيار. Et là, on introduit une notion très très importante, c'est la constante d'accommodation. La constante d'accommodation, c'est tout simplement un temps qui est nécessaire pour un courant de pente limite. La pente, c'est une vitesse limite. Mais un potentiel d'action, d'accord? Et donc, إلا حبسنا على هاد لا فيتيس داكور استعملنا هاد لا فيتيس ليميت داكور ونزيدو بروغريسيفمون في لو كورون ونحسبو لو طون كي اي ميز بار لا سيلول دو جيري ان بوتونسييل داكسيون. سي لا كونستون داكوموداسيون سي ان طون ان سكوند ولا ان ميلي سكوند بو امبورت. دونك سي لو طون ميز بار ان كورون دو بونت ليميت دونك اون سارتان فيتيس pour atteindre la rhéobase. C'est un temps entre le début de courant ou entre le potentiel d'action. Qu'est-ce qu'il y a un potentiel d'action? C'est le temps qui est mis par la cellule de répondre et c'est la constante d'accommodation. D'accord? Et on distingue deux types de fibres. Avec les fibres à forte accommodation et les fibres à faible accommodation. Quand on a de la constante faible, on a les fibres qui sont de forte accommodation. L'axe, quand on trouve la constante d'accommodation élevée, quand on trouve les fibres qui ont une faible accommodation. D'accord? Et donc, qu'est-ce que c'est que ces fibres fortes et faibles d'accommodation?
On commence par les fibres à forte accommodation, où le constant d'accommodation elle est faible, vraiment faible. Donc le temps mise par la cellule de me répondre par un potentiel d'action est vraiment faible. Et c'est le cas des cellules musculaires et nerveuses, d'accord? Donc le potentiel d'action, toujours il parle comme directement vos muscles. Le muscle fait la contraction, mais tu as un tremor, la contraction, après, la contraction. Non, c'est un laps de temps. Donc, ce sont des fibres à forte accommodation. Voilà. Et c'est le cas des cellules musculaires et nerveuses. Il faudra un courant très intense pour obtenir des excitations répétitives. Comme si, un courant très intense, comme si la fibre. تتعود على كومود تتعود على هاد على هاد لا فيتيس كوم سي لا فيبر عندها اون فورت اكوموداسيون سيتادير دون ان تون تري تري بوتي اي بو جينيري ان بوتونسييل داكسيون مي الا اون فورت اكوموداسيون كيفاش نقولكم تتعود ديراكتومون على التيار. Et donc, de plus en plus, elle nécessite un courant très intense pour obtenir des excitations répétitives. Comme si une personne qui prend un médicament, et de plus en plus, il chope le médicament, il doit augmenter ses doses pour que les médicaments aient un effet. Et c'est le même cas. Les fibres à forte accommodation, ils taoudou de façon très, très, dans une période très, très courte, elle a le courant. Et donc, les hommes ont un courant très très fort, un potentiel d'action. Contrairement aux faibles accommodations, il s'agit d'un stimulus de faible intensité, continu. Il va nous permettre de générer facilement des réponses répétitives. Voilà. Donc, quand la cellule te dit de t'accommoder, il a une petite intensité de courant pour l'aréobase. La cellule ou l'axone ou la peu importe cellule musculaire ou la nerveuse coulmette elle s'accommode rapidement coulma elle a des courants de plus en plus intenses pour atteindre l'aréobase et donc la génération d'un potentiel d'action. Une autre notion aussi importante, c'est la chronaxie. Alors si on prend par exemple une fibre musculaire, déroulera une intensité qui est égale à l'aréobase, d'accord? Et on attend le temps que va mettre cette fibre pour générer un potentiel d'action. Le temps entre l'application du courant et la génération de potentiel d'action est appelé temps utile, d'accord? Mais si on double la valeur seuil, c'est-à-dire il a la valeur seuil 4, il a une valeur qui est 8. D'accord? Et j'attends entre le temps d'application de deux fois l'aréobase, entre le temps d'application de ce courant et le potentiel d'action. D'accord? Le temps va être appelé la chronaxie. Donc, pas forcément la chronaxie, c'est vrai que l'aréobase est la moitié de deux fois l'aréobase, mais ça ne veut pas dire que la chronaxie est égale à la moitié de temps utile. J'ai jamais dit ça. Hein. Donc c'est pas parce qu'on a doublé l'aréobase que le temps va être que le temps va être divisé sur deux. Non. D'accord. Mais c'est assez simple que ça. La chronaxie, c'est un temps entre l'application d'un courant qui de valeur 2 fois l'aréobase et la génération d'un potentiel d'action. Le temps entre les deux s'appelle la chronaxie. Influence de la fréquence sur le seuil contre le stimulus est un courant alternatif. Et là, donc, il faut savoir que maintenant un courant alternatif. Un courant alternatif, c'est un courant c'est l'axe d'un courant continu. Un courant continu, c'est-à-dire pendant tout le temps de l'expérience à la home show, le courant head. D'accord? Mais le courant alternatif, مشعول بعد يطفى يتشعل يتطفى يتشعل يتطفى donc comme si يتقطع voilà هذه واش معناتها alternative d'accord c'est la notion de fréquence واش معناتها la fréquence c'est شدة بين الانقطاع والاستمرارية الانقطاع والاستمرارية كاين دي كورون وين انقطاع استمرار
Inqatar, Estimala. Ok, des courants, non. Inqatar, Estimala, Inqatar, Estimala, Inqatar, Estimala. Femtouni. Et donc, ça va déterminer notre fréquence. On remarque aux basses fréquences, c'est-à-dire, Itaqtar, on va dire Tawel, on va dire Stamer, on va dire Tawel, on va dire Taqtar. Donc, la vitesse d'installation de courant, elle est faible. La vitesse, elle est faible. Marahish, donc la vitesse, elle est faible. Ce qui induit un seuil élevé. Et c'est tout à fait logique parce que, par exemple, je chalte le courant. Tu quelques canaux. Tu as le A plus voltage dépendant. On va détecter le courant. Et donc, les canaux, donc, le seuil sera vraiment grand pour stimuler la fibre et générer un potentiel d'action. À haute fréquence, c'est la même chose. Vous allez me dire que le seuil va diminuer et donc le contraire va se passer. Parce qu'à haute fréquence, la durée d'alternance est vraiment courte. Comme si. De façon très 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 rapide. Et donc la fibre, elle n'a pas le temps de réagir avec ces différences-là de courant. N'a pas le temps de réagir. Et donc le seuil sera élevé. Donc attention, que ce soit les basses fréquences ou bien les hautes fréquences, le seuil est toujours élevé. D'accord? On passe à un élément très très important qui est souvent trouvé au niveau des QCM, c'est la variation du seuil après un stimulus supraliminaire. Donc c'est bon, j'ai fait mon courant supraliminaire et tu as sorti un potentiel d'action. Qu'est-ce qui va se passer? Pardon. Alors, on va étudier le seuil d'excitabilité pendant les phases d'un potentiel d'action. Donc, ça, c'est le schéma d'un potentiel d'action ordinaire. D'accord? Alors, le potentiel d'action, l'excitabilité passe par plusieurs étapes. Premièrement, la période réfractaire absolue, 0 tel T1. Donc, ça, c'est la période réfractaire absolue. Je ne sais pas si vous. PRA. PRA, c'est la période réfractaire absolue. Elle est contemporaire de la pointe du potentiel d'action. D'accord? Donc, Tala ou Habta, c'est la période réfractaire absolue. Et donc, c'est un laps de temps, bien sûr, 1-2 millisecondes. On a déjà parlé sur ça. Durant ce laps de temps, la cellule est inexcitable. C'est-à-dire, Mehmendir. شدة التيار مهما تكون كبيرة ما راح يتشكل لي ديزولي ما راح يتشكل لي ان بوتونسييل داكسيون مهما درت باسكو لا سيلول دورون سيت دورون سو طون لا ما تريبوندي ليش داكور راهي مشغوله دير لو بوتونسييل داكسيون اي دونك ميم ندير ان اوتر ستيمولوس كي ميم سوبراليمينير Même il est très très fort, ça va rien changer au niveau du potentiel membranaire. Les sinachouia, je vais dire un autre stimulus pour générer un autre potentiel d'action. D'accord? Ça, c'est la période réfractaire absolue. Donc, l'explication de ça, c'est que les canaux voltage dépendants sont inactifs. Alors, parce qu'on m'a déjà la mahloulin. Et donc, dire un autre stimulus, la déjà mahloulin, la inactif. Comme si la bloqué. D'accord? لازم نستنى كو سارتان كانو يتغلقوا باش انا ندير مون دوزيام ستيمولوس جينيري ان دوزيام بوتونسييل داكسيون سي اسي سامبل كو سا ندوزو لا دوزيام بيريود كي لا بيريود ريفراكتير ريلاتيف او سيت اكري بي ار ار بيريود ريفراكتير ريلاتيف بي ار ار داكور علاش سميناها ريلاتيف سي اون ريلاسيون افيك لو دوغري دو ستيمولاسيون دوكا لا ممبران راهي تتشرط تقول لك دير لي ان ستيمولوس كي اي سوبراليمينير ما نجاوبلكش مي دير لي ان ستيمولوس كي اي اكبر من سوبراليمينير نجاوبلك داكور تبدا تتشرط شويه ميم سوبراليمينير ما يكفيهاش دونك ال كوريسبون ا لا فان دو لا بارتي ديسندونت داكور ال دور انفيرون 10 ملي سكوند Pendant cette phase, la cellule est excitable, mais avec une intensité supérieure au seuil normal. C'est-à-dire, si la cellule a un potentiel d'action, un potentiel d'action, un seuil de 3 millivolts, c'est suffisant pour générer un potentiel d'action. Dans cette partie, dans cette période, j'ai besoin par exemple de 6 millivolts pour générer un autre potentiel d'action.
Donc, elle a bias minha relative. Elle n'est pas absolue. Mais si je un potentiel d'action, elle est relative. Donc, certaines conditions pour que le potentiel, le deuxième potentiel d'action s'installe. Et les conditions, c'est que le stimulus l'indéro, il connaît كبير على السوبراليمينار اكبر منه الى السوبراليمينار كانت 3 انا لازم ندير 5 6 باش تشكلي ان بوتونسيال داكسيون ليكسبليكاسيون سيرتين كانو فولتاج ديبوندون روباس ا ليتا اكتيفابل اي سي سا لي كانو كو جو في اكتيفي لا بيريود سوب نورمال كوريسبون او بوست بوتونسيال بوزيتيف اون ا ديجا فيو لو بوست بوتونسيال بوزيتيف alors Alors, le poste potentiel positif qui est là, d'accord? Et donc, c'est la période supra-normale, T2, T3. Elle correspond à une dépolarisation membranaire, ce qui la rend la cellule hyper excitable, seuil inférieur au seuil normal. C'est-à-dire, dans cette période, si le seuil était de 3 millivolts, comme on a dit, il suffit d'imposer un courant de 2 millivolts pour obtenir un nouveau potentiel d'action. Et la dernière période, c'est la période subnormale. C'est une période bien sûr inconstante parce que parce que la cellule, elle est enfin en potentiel d'action. Tout est le potentiel de repos. C'est pour ça qu'elle est inconstante. Durant toute sa durée, l'excitabilité de la cellule est diminuée, c'est-à-dire de plus en plus la cellule tous les deux demandait une intensité clé là, d'accord? Et elle est suivie par un retour au seuil normal, c'est-à-dire le seuil généralement le premier potentiel d'action. Voilà. Donc il y a quatre phases. Réfractaire absolu, après la relative, après la subnormale, après le supranormal, après le subnormal. Généralement, les questions seront sur le seuil. Dans l'absolu, un potentiel d'action. Dans la relative, le seuil doit être plus grand que le supraliminaire. Dans la supranormale, le seuil, et le subnormal, c'est une période inconstante et le seuil redevient normal. Propriété essentielle du potentiel d'action, c'est la propagation. Elle dit sans tarder sur ça, le potentiel d'action, yentachir, d'accord, dans tous les sens, d'accord. Et même dire qu'on a dit une fibre, kbira, par exemple, dire la stimulation ici, et tchikli un potentiel d'action, la stimulation dans un supraliminaire. Même نسجل هنا نلقى le même potentiel d'action. نسجل هنا نلقى le même potentiel d'action. نسجل موراه نلقى le même potentiel d'action. C'est-à-dire, il est propagé. ماشي كيما قلنا مقبل le potentiel de repos, la dépolarisation. Il a donné une dépolarisation. Elle est vraiment تنتشر لي مي تبدا تتناقص في الشده. كيما قلنا le phénomène de discrimination. Mais هنايا le potentiel d'action, il est propagé tout simplement. La célérité, نقدر نحسب le سرعة تاع انتشار هذا le potentiel d'action. مسافة الزمن. D'accord. Et cette vitesse va dépendre de plusieurs facteurs selon le diamètre. Koulmet kounouassa koulma la vitesse tronkbira. Selon la myélinisation, koulmet koulma kit koun la gaine de myéline, la vitesse zid. Parce que lèche, le potentiel d'action, il voulait sauter. Il sautait, il sautait. Et donc, nta ki tmché, wahed ki koun yimché, wahed nta par exemple ak tmché, wahed qaddam ka wi sautait, les sautait il haqab lak. Parce que tu as que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Et donc la gaine de myéline va faciliter et va augmenter la vitesse de propagation du potentiel d'action, si vous voulez. L'explication, elle est vraiment inutile. D'accord? Où je me suis dit? La température, plus elle est élevée, plus la propagation se fera rapidement. Ce sont des conditions à retenir. Quand on dit la température, la propagation sera rapide. Certains agents pharmacologiques réduisent la vitesse de conduction de l'influx nerveux. Et c'est ça le phénomène de certaines anesthésies. Les anesthésies, ou les anesthésies, ils bloquent tout simplement la propagation de potentiel d'action. D'accord? L'effet cathécho-électronus
attrait de cation vers le cathode, augmente l'excitabilité, ce qui facilite la propagation de l'influx nerveux. Alors, on a déjà parlé sur ça, le cathode. Par exemple, j'ai des charges positives à l'extérieur, des charges négatives. J'ai mon cathode, l'Ijibli, bien sûr le cathode, c'est des charges négatives. Ijibli des charges négatives, l'Ijibli les charges positives. Et donc, ihtimaliyet, si tu as un potentiel d'action, tu le laisses rien. D'accord? Donc, le cathode augmente l'excitabilité de la membrane et facilite la propagation. Tandis que, il a dû un anode, d'accord? Il dit des charges négatives. Et donc nous l'obède le potentiel d'action. D'accord? Ça sera une hyperpolarisation qui m'a. Et donc, ça va diminuer l'excitabilité de la cellule. C'est assez simple que ça. Voilà. Oups. Le nerf entier, donc le potentiel d'action est la somme de potentiel de l'ensemble des fibres dont le diamètre et des structures différents. On a dit que un rassab, un rassab, oh my god, un rassab, il contient plusieurs fibres. Et les fibres hadouma koul wahda fihom andha le seuil taha. Et donc bach ana nkoun mtakda li stimuli tkamel les fibres. باش نكون متأكدة بلي كامل لي فيبر تشكلو فيهم ان بوتونسييل داكسيون لازم لو كورون يكون اسي غران باش نشمل كامل لي سوي ديكسيتابيليتي داكور جي هنايا لو سوي هنايا عندي لو بوتونسييل داكسيون تاع كامل لي فيبر ا سافوار لو جروب الفا بيتا اي غاما ابري نبدا نسيباري بشويه داكور باش نلقى لي بوتونسييل داكسيون تاع لي 3 فيبر داكور. Elle dit, c'est pas vraiment important. Ça n'a rien à voir avec les QCM. Base physico-chimique du potentiel d'action. Mise en évidence. Je mets mise en évidence. Je vais voir le potentiel d'action. Je vais voir ce qui est le potentiel d'action. Bien sûr, au préalable, c'est le Na+ et le K+. On a fait Na+ radioactif dans la matrice extracellulaire, d'accord? Et donc si on fait une stimulation supraliminaire, ça va ouvrir les canaux Na+ voltage dépendant, le Na+ va entrer et donc une chauffe le Na+ parce que donne radioactive et donc on une remarque une entrée importante de sodium après stimulation au moment de la pointe de potentiel d'action alors qu'elle était très faible au repos. Donc au niveau de potentiel d'action sans stimulation, le Na+, c'est vrai pour le nitrol. C'est vrai selon la concentration, selon le gradient de concentration, mais en très faible quantité. C'est à ce moment on applique un courant supraliminaire où l'entrée massive, je dis bien massive, du Na+ va gérer le potentiel d'action. D'accord? De même manière, on a fait un K+ radioactif de la matrice intracellulaire et on a remarqué qu'il y a une sortie importante de potassium, plus précisément après la diminution de la perméabilité de Na+. Parce que, le Na+ il troll massivement. Après, voilà, quelques laps de temps, je produis le K+. C'est pas au même temps, attention. Je redis, j'ai fait une stimulation supraliminaire. J'ai fait mon potentiel d'action. D'accord? Et le potentiel d'action, on a fait une partie ascendante et descendante. Et les deux parties sont dues essentiellement à l'entrée de Na+. D'accord? Après, dans un laps de temps, après l'entrée de Na+, il y a la sortie de K+. Donc, ce n'est pas au même temps, ce n'est pas au hasard. Le Na+ entre, d'accord, de quantité très très grande, après le potassium, bien sûr, il peut sortir, d'accord. C'est pas au même temps, avec plus précisément après la diminution de la perméabilité de Na+. Et donc le Na+ il troll, d'accord, massivement, et après, dans un laps de temps, je dis bien un laps de temps, quelques millisecondes, après, il produit le potassium. On conclut donc que l'entrée de d'ions sodium est responsable de la dépolarisation de la membrane et que la sortie de potassium est responsable de la repolarisation de la membrane. Si vous voulez, il a dit non. Il a dit non, le potentiel d'action, d'accord?
D'accord? La première partie ascendante et descendante est due à l'entrée de Na+. D'accord? C'est une dépolarisation. Après, le potentiel d'action AK, Hadaya Marash forever. D'accord? Lazem Tsrali une repolarisation. Et donc, la repolarisation se fait progressivement par la sortie de potassium. D'accord? Donc, vous remarquez bien que la sortie de Na+ et que l'entrée de Na+ et sortie de K+ ne se fait pas en même temps. D'accord? L'entrée de Na+ est responsable de la dépolarisation, tandis que la sortie de K+ est responsable de la repolarisation membranaire, jusqu'à ce que la pompe intervienne et le potentiel de repos s'installe. Voilà, la pompe Na+ K+ jouera un rôle dans le retour de potentiel de repos. Maintenant, substance qui modifie la perméabilité membranaire. Donc, nous avons le calcium, nous avons le bidet dans la vidéo. Comme nous avons le calcium. Et donc, le calcium va basiquement, il s'enlève les canaux, tu as le Na+ voltage dépendant. On met le Na+ citrole. D'accord? Et donc, la diminution de concentration de calcium extracellulaire. Et donc, la diminution du calcium extracellulaire va automatiquement diminuer, va automatiquement augmenter la perméabilité de la membrane au sodium. Et plus le sodium est trop libre, plus le seuil d'excitabilité va diminuer. C'est tout à fait logique et vice-versa. Donc, il y a certains anesthésies locales comme la procaïne, la TTX animale. Donc, ils vont bloquer totalement la propagation de potentiel d'action, ils vont arrêter l'entrée du sodium carrément à la cellule, d'accord? Et donc, ils vont arrêter la propagation du potentiel d'action, et c'est généralement le mode d'action de presque la quasi-totalité des anesthésies, locales bien sûr. Et il y a le TA, d'accord? Qu'il est interprété ou là, il déroule dans le milieu intérieur ou là, extérieur, il va réduire de manière importante la perméabilité de la membrane vis-à-vis au potassium. C'est-à-dire il bloque les canaux de potassium, d'accord? Ce qui va produire un allongement de la pointe de potentiel d'action. C'est-à-dire, toujours, j'ai une. Quand je mets une stimulation, toujours le Na+ à la houyoutrol, d'accord, mais il n'y a pas de sortie de calcium, de potassium. Et donc, le mode d'action de TA, donc, on a dit que cette partie est due à l'entrée de Na+, et que cette partie est due aux sorties de potassium, bien sûr. Si j'administre par contre le TA, donc, j'ai bien sûr une entrée de Na+, mais je n'ai pas de sortie de K+, à cause que cette substance-là va bloquer les canaux voltage dépendants. Et donc le graphe va être comme ça. Voilà. D'accord? Par contre, si j'utilise la TTX va bloquer initialement l'entrée de Na+. Donc, je n'ai pas initialement un potentiel d'action. J'ai ce graphe-là, d'accord? Parce qu'elle va bloquer, l'entrée de Na+, d'accord? Qui est le départ du potentiel d'action. Et donc, vous remarquez bien que les sites d'action sont différents. TA bloque les canaux K+, et le TTX bloque les canaux Na+, d'accord? Ça peut être l'objet d'un QCM. Donc, il ne faut pas confondre entre les deux. Cas de paralysie périodique familiale, c'est une paralysie, bien sûr. Elle est due à quoi? À la diminution de la concentration extracellulaire du potassium. Le traitement est donc l'administration du potassium. Bien sûr, il y a une légère diminution de la concentration extracellulaire du potassium. Voilà, et donc on doit administrer aux patients le potassium. On a dit plus précédemment que la résistance membranaire au niveau de potentiel d'action tend. Elle est parce que la cellule met à l'état. Et donc on a la cellule toujours, la membrane toujours, elle résiste aux dépolarisations. Elle a toujours le potentiel de repos. Et donc,
Compte. Et donc, quand je fais une dépolarisation et même un potentiel d'action, la résistance membranaire va automatiquement s'affaiblir. Et donc, Kenneth, 100 milliampères, 11 ampères par centimètre cube, to Li, 10 ampères par centimètre cube. Voilà. On passe au dernier slide important dans ce cours. Courant circulaire à travers la membrane pour différentes tensions imposées. Alors, je trouve pas que c'est un slide assez important, mais bon, on va le faire. D'accord? L'électrode extérieure étant le cathode, donc il va amener des charges positives. D'accord? Donc, si je fais une tension, un courant avec un seuil qui est inférieur au seuil de dépolarisation. D'accord? Donc, melhaqnach la rhéobase. Existence de courant faible sortant, parce que le potassium, on sait, on a toujours le potentiel de repos, hein? Mais il y a une légère dépolarisation, toujours le potassium y khroj, le Na plus pétrole, ma cache un potentiel d'action. Tension imposée supérieure au seuil critique, il y a un potentiel d'action. Donc il y a inversement de courant, donc il y a un courant entrant, toujours l'entrée de Na plus, on se met un courant anormal. Et la sortie de K plus, on se met le courant normal. Hakatesmiyet, d'accord? Alors, le courant entrant, c'est le courant Na+. Il chauffe le potentiel d'action. Si on impose une tension supérieure au seuil, automatiquement il y a un potentiel d'action. Automatiquement il y a un courant entrant anormal qui est dû au Na+, et un courant sortant normal qui est dû au potassium. Par contre, si on fait une tension égale à l'amplitude de potentiel d'action. Une fait une tension qui est égale à l'amplitude de potentiel d'action. Si l'amplitude de potentiel d'action est égale à 100, je fais une tension qui est égale à 100 et on remarque que le courant anormal n'est pas enregistré. Il ne reste plus que le courant sortant. Ou tefsir parce que j'ai fait une tension qui est égale à l'amplitude de potentiel d'action. Comme si la cellule, comme si on l'a. خلاص انا درت لك لا بروميير بارتي دو بوتونسيال داكسيون انت كملي الباقي برك كوم سي درت لها اون تونسيون كي ايغال ا لامبليتود اختصرت لها الوقت قلت لها خلاص انا جو في لا بروميير بارتي دو بوتونسيال داكسيون كي اي سيت بارتي لا الوغ كي اي سيت بارتي لا ونقول لها كملي لا بارتي كي اي اون فير نقول لها كملي لا بارتي اي دونك لو كورون اونترون يروح Le courant anormal entrant. Khlas, khtasat wala la cellule, mais ziche dero. Khlas, parce que une tension qui est égale à l'amplitude, d'accord? Khtasat aliha lourd, d'accord? Et le courant sortant, nchoufou, parce que علاش le potassium lazem yخرج من la cellule. Voilà l'explication. Et c'est fini. Merci de voir cette vidéo. Je vous remercie tous et toutes. Et inchallah, c'est clair pour vous. Dorénavant, le potentiel d'action et de repos. Et. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas surtout à les poser sur ma page Facebook, Khadija Faraj, et good luck!